ce soir, mesdames et mesdames, nous fêtons donc le 100 000e spectateur des Baudins Grandeur Nature. C'est l'événement du début de la 7e saison de Grandeur Nature, le spectacle que les Baudins donnent chaque année dans une ferme des environs de Descartes. En fin de représentation, on tirera au sort le 100 000e spectateur. Sur nos terres, chez nous, au milieu des champs, avoir réussi à amener des gens qui viennent de partout en autocar, et 100 000 personnes ici, c'est une grande fierté, surtout parce qu'on est sur nos terres. C'est une façon de rendre hommage à la région qui nous inspire. Ça manque de sel, de poivre et d'huile de noix. Allez, alimente. Pour ce Christian, ouais. Combien de fois que je t'ai dit l'huile de noix avant le gros sel? Faut pas s'étonner qu'il manque des dents en pignon après. Grandeur Nature, c'est une récréation estivale, nous disent les Baudins. Pourtant, ce ne sont pas des vacances. Plus de 100 représentations déjà, une dizaine de comédiens, 150 bénévoles et le public qui afflue toujours en masse. Quoi ? C'est ça qu'on appelle de la jachère fleurie ? C'est un espèce de phénomène incroyable qui se voit pas, qui se voit quasiment nulle part ailleurs. On n'a jamais fait d'affiche ni de promo de ce spectacle. Il se remplit que par le bouche à oreille et les gens qui viennent, qui en parlent, qui reviennent avec des amis. Et voilà. Bon, on va tirer au sort un spectateur. Loupé. Et le 100 000e spectateur est une spectatrice, un peu intimidée par l'événement. Christiane vient de Neuville-au-Roi. C'est la deuxième fois qu'elle voit Grandeur Nature. Par le biais de Christiane. Eh ben, on salue les 100 000 spectateurs qui sont venus nous retrouver sur nos terres. Et puis bah voilà, ça nous fait du bonheur parce que finalement notre métier c'est de faire plaisir aux gens. Oui, voilà. Et c'est gagné. Et j'ai l'impression que c'est partagé. Ah oui, c'est gagné. Donc, voilà. Pour 2011, tout est déjà complet. À partir du mois d'octobre, les réservations pour 2012 seront ouvertes. Toutes les places se vendent en l'espace de quelques semaines.